Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, précieux Seigneur, souverain sacrificateur, toi qui en quelque temps as eu incarné tout le ministère. Tu étais à la fois apôtre, prophète, pasteur, évangéliste et enseignant. Et tu as réussi, Seigneur, accompli parfaitement chacun de ses rôles dans chacun de ses offices. Nous te bénissons ce soir et nous voulons nous recommander sous ta grâce. Parle-nous, Seigneur. Merci de ne pécher le pas de nos bien-aimés qui sont en route et de bénir tous ceux qui nous suivent en direct. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. On acclame le Seigneur très fort. Très fort. Gloire à Dieu. Bienvenue en ce programme. Bienvenue à vous qui êtes là, sur place, et à vous qui nous suivez à partir de Facebook et de toutes les plateformes ou réseaux sociaux. Nous sommes là dans le cadre de l'école du ministère que nous dirigeons, dans le ministère Fils du Tonnerre, chaque dimanche après-midi. Et nous continuons avec notre sujet sur le ministère et la prière. Nous ne saurons malheureusement pas revenir sur tout ce qu'on a eu à dire la fois passée, mais seulement ce qui est sûr, c'est que notre texte de base se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 4, là où, quand il était question de désigner le diacre, les apôtres ont eu à dire, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. La version de Message a rendu ce qui suit en français. En attendant, nous nous en tiendrons à nos tâches assignées de prière et de la parole de Dieu. La version Parole Vivante dit: cela nous permettra de consacrer tout notre temps à la prière et au service de la prédication. Nous avions déjà vu que la prière en soi est un ministère. C'est-à-dire, lorsqu'il est question de la prière, il ne faut pas penser en termes de moments de prière, mais il faut penser en termes d'un ministère de prière. Comment est-ce que la prière influe sur ta vie avant que tu ne pries, pendant que tu pries et après que tu aies prié? Il est important de comprendre les enjeux de tous ces aspects. Ce qui est important à savoir avant de prier, ce qui est important d'adopter comme attitude pendant que vous priez, ce qu'il faudra savoir faire après que vous ayez de prier. Comme dans tous les sujets essentiels concernant le ministère et même la marche de la vie chrétienne, Jésus restera pour nous le modèle parfait. Il est le modèle parfait. La Bible dit qu'il nous a laissé de traces que nous devions marcher dessus ou suivre. Un modèle en tout point de vue. Jésus fut un homme de prière. Jésus fut un homme de prière. Sa relation privilégiée avec le Père aurait pu l'exonérer de la prière. Mais bien au contraire, Jésus priait, Jésus demandait les avis de son Père. Dans la prière, Jésus négociait sur certains points, certaines situations avec son Père dans la prière. Avant de choisir les apôtres, Jésus a dû prier toute la nuit. Quand il était question de mourir pour nous, Jésus a eu à lutter avec son Père dans la prière jusqu'à céder. À céder sa volonté, à accepter de faire ce que le Père lui avait demandé de faire. Donc, par son modèle, nous voyons que la prière est un moyen sûr d'entretenir et de maintenir notre communion avec Dieu le Père. Donc, si lui qui est céleste, lui qui est venu du ciel, il a prié,
nous n'avons pas raison, nous, terrestres, à ne pas prier. Nous devons davantage prier. Nous avons aussi vu que la prière, dans la vie de Jésus, c'était carrément un canal de communication, un moyen au travers lequel il recevait des ordres. Il dit lui-même, je crois que c'est dans l'évangile de Jean, « Ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui me dit. » Il y a même une version qui utilise le verbe « dicter », où le Père était carrément en train de lui dicter ce qu'il devait faire, même ce qu'il devait dire. Voilà pourquoi sa vie fut un parfait accomplissement des prophéties qui ont été longtemps d'avance écrites à son sujet. Très intéressant et important de le constater. Donc, il est important pour nous, en tant qu'enfants et serviteurs de Dieu, de faire de la prière notre coutume. Une saine, une sainte coutume, une bonne et pieuse coutume, où nous avons des jours, où nous avons des heures, où nous avons des endroits, où nous avons vraiment, comme qui dirait, de repères dans ce que nous devons faire. Vous savez, quand on est venu arrêter Jésus, Judas savait où est-ce qu'on trouverait Jésus. À cette heure-là, où il a l'habitude de se retrouver. Donc Judas a su facilement où on allait trouver Jésus, parce qu'au fait, Jésus n'était pas en dehors de ses habitudes, en dehors de sa coutume de prier. Et il y a une chose importante que j'ai eu à dire quand on a introduit ce message, c'est que la prière est un multiplicateur. La prière est un amplificateur de puissance. Celui qui prie beaucoup sera plus puissant. Amen. J'aimerais qu'on soit d'accord avec ça. Une vie chrétienne sans prière est une vie chrétienne sans puissance. Un ministère sans prière est un ministère sans puissance. Ça ne remet pas en question la vocation, l'appel que Dieu a eu à placer sur vous. Le problème, c'est qu'il y a des choses que vous ne ferez jamais. Il y a des choses que vous n'accomplirez jamais. Il y a des dimensions que vous n'explorerez jamais. Tout simplement parce que vous ne voulez pas vous imposer un style de vie attaché à la prière. Je prie que le Saint-Esprit nous aide. Oh, je disais que je prie que le Saint-Esprit nous aide. Parce que la prière, je disais, est la première école de la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très présent dans la vie de Jésus, mais surtout dans l'aspect de puissance, dans l'aspect de prière, il est visiblement présent. Celui qui a conduit Jésus dans un moment de jeûne et prière de 40 jours, vous vous rappelez, et la Bible dit la conséquence, c'est quoi? Malgré qu'il était déjà rempli du Saint-Esprit, il est sorti de ce moment de prière revêtu du Saint-Esprit. Formidable. Ça ne s'est pas arrêté là. Dans Actes 10, lorsque l'apôtre Pierre fait un résumé chez Corneille, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable, du malin, car Dieu était avec lui. Donc je comprends que lorsque l'on obéit la conduite du Saint-Esprit dans la pratique de la vie de prière, Dieu sera visiblement présent avec nous. Alléluia. Et des œuvres qui sont en réalité les empreintes du royaume, les œuvres de puissance, le salut, la délivrance des âmes, de victimes que le diable est en train de garder sous ses géoles, toutes ces choses vont démontrer à suffisance que le Seigneur est avec vous. J'avais dit que la prière est le sceau d'assurance quant à vos choix et décisions en tant que leader. À chaque fois que vous voulez prendre de grandes décisions dans le cadre de votre ministère, vous devez consulter Dieu. Parce qu'au fait, ce n'est pas votre ministère. C'est le ministère de Jésus. C'est le ministère de Jésus. Il est la seule personne qui a été efficacement à la fois apôtre, prophète, docteur, pasteur et évangéliste. La Bible démontre largement. Jésus a rempli tout ce ministère efficacement. Et la Bible dit, lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il a accordé cela comme des dons, de manière dispatchée aux hommes. La Bible dit, il est descendu dans les régions inférieures de la terre, il est monté. Qu'est-ce que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est descendu? Le même qui est descendu, c'est aussi lui qui est monté. Et quand il est monté, il a fait des dons aux hommes, aux uns, apôtres, aux autres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, pour le perfectionnement de saints.
en vue de l'œuvre du ministère, afin que le saint ne soit pas des enfants ballottés à tout vent des doctrines. Et pourquoi? Pour qu'à la fin, nous parvincions à l'unité de la foi. Donc là, j'ai cité carrément Ephésiens chapitre 4, du verset 7 jusqu'au verset 15. Donc, bien aimé, il est important de savoir que le leadership que nous avons reçu du Seigneur nous demande beaucoup, beaucoup de dépendance à Dieu. Nous n'atteindrons pas, et ça c'est une phrase que j'aime beaucoup, nous n'atteindrons pas un âge dans la foi ou dans le ministère où on n'a plus besoin de consulter Dieu. Josué a cru qu'il était arrivé à un moment où il pouvait se taper la permission de faire ce qu'il veut, de décider ce qu'il voulait, comme bon lui semblait, sans consulter Dieu. Il a conclu malheureusement une alliance avec le Gabaonite. Je l'ai démontré l'autre fois, laquelle alliance a créé des problèmes plus tard en Israël. Non seulement que Israël fut engagé dans une guerre qui était imprévue, au cours de laquelle, heureusement, Josué a eu à faire un acte de prouesse formidable en arrêtant la course du soleil et de la lune. Mais plus tard, dans 2 Samuel chapitre 21, la Bible va nous révéler qu'Israël va passer 3 ans de sécheresse. Et lorsque David va prier pour savoir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui fait que cela arrivait, c'est alors que le Seigneur va lui révéler que Saoul, dans son zèle excessif, a eu à tuer le Gabaonite, lequel Gabaonite était en alliance avec Josué et impliquant tous les enfants d'Israël, selon lequel les enfants d'Israël n'avaient pas le droit de porter leurs mains sur les Gabaonites. Voilà, ça crée des problèmes. Il a fallu que David sacrifie les enfants de Saoul en épargnant Mephibosheth, qui était le fils à Jonathan. Et finalement, la colère de Dieu s'apaisa. Donc, vous voyez, bien aimé, soyez conséquents. Lorsque vous travaillez pour le Seigneur, lorsque vous remplissez le ministère, tout ce que vous prenez comme décision peut avoir des conséquences fâcheuses. J'ai déjà eu à dire, je ne sais pas ici ou dans le cadre du jeu, toute décision d'un leader fait office d'une loi. Toute décision d'un leader fait office d'une loi. Lorsque à l'église, vous prenez une décision, vous devez mesurer tous les paramètres avant de prendre une décision, surtout en public. Parce qu'un jour, les gens vont vous balancer ça au visage. Pasteur, quand il était question du frère X, tu avais pris telle décision. Pourquoi tu n'as pas pris la même décision quand il est question du frère Y? Très important. Alléluia. Alléluia. Donc, nous devons savoir que Jésus a passé toute une nuit dans la prière avant de choisir ses apôtres dans Marc chapitre 3 pour les avoir avec lui et les envoyer où il voudra. Mais vous devez savoir qu'il est de la responsabilité du leader de consulter Dieu. Je crois avoir à ce point ici évoqué même le cas de David. Ce qui faisait la force de David, c'était quelqu'un qui a appris à dépendre du Seigneur. Je crois que c'est son travail de berger qui lui a appris ça. Le fait qu'il a été berger, il a vu jusqu'à quel point une brebis dépendait du berger. Ça a donné la même forme à son cœur, la forme d'une brebis vis-à-vis du Seigneur. David posait régulièrement des questions à Dieu. David posait régulièrement, même là où Dieu lui a répondu, il posait la question pour se rassurer que c'était vraiment ça, ce que Dieu voulait, et à l'occasion même, cherchait à voir d'autres détails après ça. Seigneur, les habitants de Keïla à qui j'ai rendu service, est-ce que, comme j'apprends que Saoul vient pour m'attaquer ici, est-ce que ces habitants de Keïla vont me livrer à Saoul? Dieu lui dit, ils vont te livrer à Saoul. Il a compris, il a fouillé. Et lorsque il était encore chez, je crois, c'est qui encore ce roi-là, à Abimelech, je crois, avant même d'avoir la royauté en Israël, David est retourné dans le camp. Il a trouvé les femmes, les enfants, le bien qui ont été pillés par les Amalécites. La Bible dit, il a posé la question à Dieu. Est-ce que je dois poursuivre ces gens? Est-ce que je les atteindrai? Dieu dit, poursuis-le. Il repose encore la question. Dieu dit, poursuis, tu atteindras. Et tu vas le vaincre. Et tu vas revenir. Donc, il voulait à tout prix connaître avec exactitude ce que la volonté de Dieu. C'est en fait une série d'enseignements que je suis en train d'apporter depuis le mercredi passé concernant l'orientation divine. Concernant l'orientation divine. Beaucoup de choses nous échappent. Beaucoup de choses nous échappent parce que nous ne prenons pas du temps
pour écouter Dieu en détail par rapport à ce qu'il veut dans cette affaire. Voilà pourquoi la prière est importante. Parce que pendant que tu pries, tu peux poser de amples questions au Seigneur par rapport à ce que tu veux savoir de lui pour toute entreprise. J'avais dit vers la fin que la prière est l'usine d'énergie qui nous permet de traverser ou d'affronter le mauvais jour et l'heure de la tentation. L'apôtre Paul parle du mauvais jour. L'apôtre Jean parle du jour ou de l'heure de la tentation. Bien aimé, il y a un temps où c'est comme ce que Jésus appelle l'heure de ténèbres. Il dit, j'étais parmi vous prêchant, enseignant, vous n'avez pas pu mettre la main sur moi, mais c'est ici votre heure. C'est ici votre heure. Vous avez un laps de temps qui vous a été offert par Dieu, au cours duquel vous avez la possibilité de m'arrêter moi, Jésus, et de faire sur moi ou de moi tout ce que vous voudrez. Il arrive dans la vie de tout enfant de Dieu, il arrive dans la vie de tout leader chrétien de traverser l'heure de ténèbres, de traverser l'heure de la tentation, le jour de la tentation ou le mauvais jour. Bien aimé, en ce jour-là, tu as plus besoin de Dieu que de tous les autres jours. Alléluia. Jésus a dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La Bible dit, au jour de sa chair, il a présenté avec de grands cris et de larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. Prions, mes amis, supplions Dieu de nous garder du mal, de nous préserver du malin. Les gens viennent, peut-être sont des émissaires de l'ennemi autour de nous, proches de nous, pour vouloir assombrir l'éclat de l'étoile de notre destinée. Ils viennent malicieusement, malignement, ils s'approchent de nous avec des habits de brebis, alors que dans leur cœur, ce sont des loups ravisseurs et dévoreurs. Si tu n'as pas le discernement de l'esprit, si tu n'as pas un homme de prière, tu vas croire que là, je suis en face d'un bienfaiteur, d'un fan club. C'est alors que le jour de ta mort a sonné ou vient de commencer. L'apôtre Paul prêchait quelque part, il annonce l'évangile. Il y a une femme qui se lève gratuitement, sans qu'on lui ait demandé quoi que ce soit. Elle se met à faire la publicité de Paul. Mais il a fallu être Paul. Oh mon Dieu, donne-moi cette sensibilité. Il a fallu être Paul, cet homme de prière, pour découvrir que celle qui est à côté de nous là, ce n'est pas quelqu'un qui milite pour notre bien, mais c'est un agent de l'ennemi. La femme disait dans le chapitre 16 de Actes des Apôtres, voyez ces hommes, ce sont de véritables hommes de Dieu, écoutez-le. Elle n'a pas dit écoutons-le. Elle a dit écoutez-le. C'est-à-dire, elle n'était pas concernée dans cette affaire. Elle n'était pas concernée. Elle demande aux autres d'écouter. Elle-même là, elle n'était pas dedans. Et l'apôtre a discerné que l'esprit qui parlait en cette femme, c'était l'esprit d'un python. Et elle a chassé l'esprit. Que Dieu nous donne le discernement. Et ce n'est possible que pour les gens qui prennent du temps dans la prière. J'aime ce qu'un homme a dit. En tout cas, si ce n'est pas un homme, ça doit être moi-même. J'ai oublié. Plus on s'approche de Dieu, plus on a l'odeur de Dieu. Donc, il est important de rester là, de prier, de prier. Parfois même, tu pries sans savoir pourquoi tu pries. Mais tu pries quand même. Surtout quand tu le fais en esprit, tu pries quand même. Parfois même, tu pries pour des prières. Tu pries pour des prières que tu as déjà faites. Tu pries pour des prières que tu auras à faire. Quand tu dis, Seigneur, nous aurons un temps de prière. Au mois d'avril, nous aurons une action là-bas, à l'intendance. Nous avons besoin, Seigneur, que tu sois avec nous. Tu es en train de prier pour la prière. Parce que l'action là sera une action de prière. Donc nous avons toutes les raisons pour prier et prier pendant longtemps. L'Ancien et le Nouveau Testament présentent le Saint-Esprit comme étant l'esprit de prière. Dans Zacharie, Dieu dit, il répandra sur nous l'esprit de grâce et de supplication. Le Saint-Esprit est présenté comme l'esprit de prière. Dans Jean, Jésus dit, lorsqu'il viendra, non seulement qu'il vous révélera des choses, non seulement qu'il vous montrera des choses, non, pas seulement ça, mais il vous conduira. Et quand il dit, il vous conduira dans la vérité, dans Jean 16, l'apôtre Paul vient expliquer ça dans Romains chapitre 8. Il dit, nous ne savons pas de demander ce qui nous convient dans nos prières, mais l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Dans la version Parole Vivante, on dit au-delà de nos limitations. Le Saint-Esprit va au-delà de nos limitations. Comme il connaît le cœur de Dieu, il nous inspire le mot que Dieu voudrait entendre. Waouh! Le Saint-Esprit est décidément l'Esprit de prière. Mais ici, j'aime faire une nuance. La différence dans le ministère de prière du Saint-Esprit et dans le ministère de prière de Jésus, c'est que Jésus intercède pour nous même lorsque nous dormons.
Mais le Saint-Esprit ne prie pour nous qu'avec nous. Le Saint-Esprit ne prie pour nous qu'avec nous. Lorsque nous engageons à prier, en esprit ou par l'esprit, le Saint-Esprit prie pour nous. Et il prie avec nous. Il est le Paraclétos. Il est avec nous, à côté de nous. Maintenant, écoutez. Lorsque il est question de la prière, le Saint-Esprit, il décode, il déchiffre le besoin de Dieu. C'est que Dieu veut entendre et recevoir de nous. Il nous le communique. Et lorsqu'il nous le communique, il nous donne à dire des choses que Dieu veut entendre pour que nous ayons à recevoir des choses que nous voulons recevoir. La Bible dit dans le Nouveau Testament, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Nous avions commencé à parler sur les effets de la prière. Le premier effet de la prière, il y en a tellement beaucoup. La prière fait de toi un homme ou une femme de puissance. Fait de toi un homme ou une femme puissant. 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 Deuxième chose, la prière fera de toi un homme oint. Une femme ointe. La prière fera de toi un homme oint. Une femme ointe. Prions, mes amis. Aimons la prière. Prions à tout moment. Prions quand c'est possible. Prions quand nous voulons et prions quand nous ne voulons pas. L'apôtre Paul nous montre qu'il lui est arrivé de prier même quand il ne voulait pas prier. Il a eu à passer de veille de prière, pas programmée du tout. Mais il a obéi à l'élan de l'esprit. Et il a prié. La prière fait de toi un homme oint. La prière fait de toi un homme d'autorité. Les hommes et les esprits te seront soumis. Qui dit amen? Les hommes et les esprits te seront soumis quand tu es un homme de prière. Quand tu es un homme de prière, tu auras l'autorité, tu auras des ordres à donner. La Bible dit quelque chose que j'aime beaucoup dans le psaume 18, l'on t'obéira au premier ordre. Je prie Dieu que cela soit notre lot à partir de moi et de vous, que nous n'ayons pas à sécher nos voix lorsque nous chassons des démons. Les démons doivent nous obéir au premier ordre. Je prie Dieu que nos voix se sèchent dans l'adoration, que nos voix se sèchent dans l'évangélisation. Mais lorsque nous sommes en face, la Bible dit Jésus passait. Il y a tellement une gloire qui s'est dégagée de son corps que le démon s'agitait dans le corps des gens. La Bible n'a pas dit que Jésus s'est arrêté pour s'occuper des gens, qu'elle a un problème. Non, non, non. Le simple fait qu'il passait, ce qui sortait de son corps faisait agiter les esprits mauvais. Pourquoi le démon doivent-ils être aussi à l'aise là où nous nous sommes? Pourquoi les démons doivent-ils être aussi à l'aise dans nos églises? Pourquoi les démons doivent-ils être aussi à l'aise dans nos maisons, à l'aise dans nos auditoires? Là où nous sommes, le royaume des ténèbres doit être en ébullition. Le royaume des ténèbres doit se sentir en danger. Alléluia. Comme je l'ai dit aujourd'hui au deuxième culte, quand je me lève le matin, je dis Satan, parce qu'aujourd'hui encore, je vais t'arracher des âmes. Aujourd'hui encore, Jésus va gagner. Aujourd'hui encore, quelqu'un sera édifié. Celui que tu voulais entraîner dans le désespoir, il va sortir plus vainqueur. Non seulement vainqueur, non seulement convaincu, mais convaincant. Disant aux autres les choses que lui-même a eu à douter il y a quelques instants. Parce qu'il y a eu une action qui a été opérée dans sa vie. Je prie Dieu que vous soyez des hommes et des femmes d'autorité au nom de Jésus-Christ. Quatrième effet, la prière fait de toi un homme ou une femme humble. À chaque fois que tu te rappelles que ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu, tu ne te taperas pas la poitrine, tu ne t'en vanteras pas. À chaque fois que tu es conscient que ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Moi, j'ai appris l'humilité dans le domaine de l'exaucement de prière en considérant un aspect. La personne qui est venue demander la prière auprès de toi l'a certainement fait à de tierces personnes. La personne qui est venue demander la prière auprès de toi est
certainement en train d'être déjà soutenu par la prière, par quelqu'un ou un groupe de gens, ça fait quelques semaines, ça fait quelques mois. Alors lorsque Dieu va donner la réponse à la prière que tu vas faire pour cette personne, ne crois pas que tu es la seule personne qui ait prié pour cette personne. Il y a beaucoup de gens qui ont eu à prier pour cette personne et Dieu a voulu seulement au temps marqué que cela coïncide avec ton intervention pour déclencher la chose et que le miracle soit reçu. Bien-aimé, garde l'humilité dans ton cœur. Dis gloire à Dieu parce que c'est lui qui a fait ça. Attribue toute la gloire à Dieu parce que c'est lui qui a fait ça. Dans la Bible, dans Matthieu, la Bible donne un verset formidable que j'aime beaucoup. Jésus a opéré de miracles étonnant, et lorsqu'il a fait ça, la foule était en émoi, la foule se réjouissait. Écoutez ce qu'ils ont dit. La Bible dit là-bas que la foule rendait gloire à Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Lorsque Dieu accomplit des choses par ta vie, fais un effort pour que la foule rende gloire à Dieu. Que la foule reconnaisse que Dieu t'a accordé un don. Ça, c'est une évidence. Mais que toute la gloire revienne à Dieu. Ésaïe dit dans Ésaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Toujours Ésaïe, chapitre 26, verset 12, la Bible dit, « Éternel Seigneur, tu nous donnes la paix, parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Vous entendez ça? Ésaïe 26, 12, « Tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'accomplit pour nous. » Sois humble, reconnais la grâce de Dieu. Combien de gens ont prié, n'ont pas eu la solution? Si c'est toi qui as prié, la solution est venue, reconnais la grâce du Seigneur et reste humble. Et lorsqu'un pasteur, un ministre que vous serez certainement, voudrait se vanter de ce que Dieu a accompli pour lui, il doit se poser la question, combien de cas il y a encore dans l'église qui ne sont pas encore résolus? Pourquoi s'attribuer la gloire pour ce miracle que le Seigneur vient d'accomplir en faveur de son fils ou de sa fille? Cinquième effet, la prière vous épargne et vous fait échapper de la tentation. Je le dis, la prière vous épargne et vous fait échapper de la tentation. La Bible dit que le Seigneur révèle des secrets à ses enfants. Le Seigneur nous avertit, même au travers des songes. Job 33, 14, 18, le Seigneur nous avertit afin que nous esquivions, que nous échappions au piège de la vie, les longueurs, ainsi de suite. Lorsque la tentation survient, Dieu parle. J'ai suivi un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il disait, si j'ai échoué dans tel domaine, c'est parce que je n'ai pas su saisir les signaux. C'est hier que je suivais sa vidéo. Je n'ai pas su saisir les signaux que Dieu m'a donné par rapport à ce domaine. Voilà pourquoi j'ai échoué. Il a reconnu de ne pas avoir été attentif, de ne pas s'être laissé conduire par Dieu afin d'éviter ce problème. Yaya, Dieu parle, nous sommes ses brebis. Dieu ne voudrait pas que nous tombions dans un trou. Dieu ne voudrait pas qu'un malheur nous arrive. Si quelqu'un comme David pouvait risquer sa vie en allant combattre les ours et les lions pour arracher les brebis de leurs dents, imaginez ce que Jésus a pu faire pour nous. Et chaque jour, ce qu'il fait pour nous, lorsque nous prions, Dieu va nous révéler. Moi, je dis ceci, en matière de choix de mariage, par exemple, je dis ceci, Dieu peut ne pas te révéler qui tu vas épouser. Mais Dieu ne manquera jamais de te dire que la personne que toi tu choisis n'est pas la bonne personne. Je n'ai jamais reçu une prophétie, un message me disant, mon fils, Karine est la femme de ta vie. Never. Jamais. J'ai prié, j'ai eu la conviction, j'ai eu la paix dans mon cœur. Mais lorsque le choix que tu veux faire n'est pas bon, là, en tant que brebis, Dieu, le berger, viendra te dire, le choix que tu fais n'est pas bon. Alléluia. Entre être à l'intendance, je crois que c'est presque 1 kilomètre ou légèrement plus, et ici, le berger se trouve là, toi ici. Et être là, à côté du berger, quel est l'endroit où tu écouterais mieux la voix du berger? Proche.
lorsque tu lui se rapproches. La prière nous rapproche de Dieu et nous permet d'écouter distinctivement la voix de Dieu. La prière nous rapproche de Dieu et nous permet d'écouter clairement la voix de Dieu. Parfois nous nous agitons. Je veux connaître la volonté de Dieu. Le problème, c'est quel est l'état de ton intimité avec Dieu. Parce que la Bible dit, et ça c'est un psaume que je vais toucher le mercredi, que Dieu révèle ce secret à ses amis. C'est le psaume 25, le verset 12 et le verset 14. Dieu révèle ce secret à ses amis. Quel est le niveau de ton intimité avec le Seigneur? Jusqu'à quel point tu lui es proche? Cela détermine combien tu as la facilité d'écouter sa voix ou non. Alléluia. La prière, sixième effet, nous ouvre des portes insoupçonnées. Paul dit, priez pour moi, afin que des portes me soient ouvertes. Je reviendrai sur ça lorsque je parlerai de la vie de Paul, lorsque je parlerai de la nécessité d'avoir des partenaires de prière dans le ministère. Septième effet. Donc vous avez compris le sixième effet. La prière nous ouvre de portes insoupçonnées. Les portes auxquelles on ne pouvait pas s'attendre. Mais à force de prier, les portes vont s'ouvrir. L'apôtre Paul dit, des grandes portes m'ont été ouvertes. Une porte très large. Mais il dit que les ennemis sont nombreux. Je crois que c'est 1 Corinthiens 16, verset 9. Des grandes portes peuvent s'ouvrir pendant que nous prions. Quand ils étaient dans la captivité, ils ont chanté, ils ont prié. Les portes de prison se sont ouvertes. Quand Pierre était en prison, l'église a continué de prier pour lui. La porte de la prison s'est ouverte. La prière ouvre les portes. Même les portes auxquelles tu ne t'attends pas. J'étais en Chine. Un samedi, je crie à l'homme de Dieu, le révérend Timothée, je lui dis, on est samedi, je n'ai pas où aller communier avec le frère demain. L'église avec laquelle j'avais pris contact sur WhatsApp, non, Facebook, ils ont écrit, église évangélique, je crois, de Guangzhou. Je les appelle pendant toute la journée de samedi. Personne ne décroche. Je laisse le message, personne ne réagit. Je dis au pasteur Timothée, je n'ai pas un endroit où aller prier. Je ne peux pas rester à l'hôtel dimanche. Je dois aller prier. Il m'envoie les coordonnées d'un pasteur, le pasteur Jean Pébé. Et je crie au pasteur, papa Timothée m'a donné vos coordonnées. Il dit, pas de problème mon frère. Demain je t'envoie quelqu'un le matin. Il m'a envoyé un frère formidable avec qui je fais affaire aujourd'hui. Le frère Ézéchiel Massimo. Ézéchiel est venu me prendre à l'hôtel. Il m'a amené à l'église, une formidable église, dans un immeuble au 40e étage. C'est là où se situe l'église. Nous sommes montés par l'ascenseur. La salle est formidablement équipée, climatisée. On a passé le temps de culte. On m'a donné le micro pour clôturer la prière. On m'a cédé la chaire le mercredi qui suivait. On m'a cédé la chaire le vendredi qui suivait. Une porte insoupçonnée. Et c'est après que je me rendais compte que le Seigneur, ça faisait plus de 20 ans, il m'avait promis que je rendrais ministère en Chine. La prière ouvre de portes auquel tu t'attends le moins. La prière, septième chose, fera de toi un homme miraculeux. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu peux faire le miracle que Jésus a fait? Je n'ai pas entendu un amen. Est-ce que tu sais que tu peux faire le miracle que Jésus a fait? Le problème, c'est qu'il faut avoir la foi. Il dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que je fais. Et si vous croyez et vous priez, alléluia. Si vous êtes un homme de prière, vous accomplirez de miracles. De miracles. Et je prie Dieu que ce soit notre lot de tous les jours. Alléluia. Prenez le texte de Luc 6. Formidable texte. Luc 6, 17 à 19. Luc 6, 17 à 19. Ajoutez Luc 5, 15 à 16. Luc 5, 15 à 16. Waouh. Oui, ça me fait. J'y reviendrai profondément par rapport à toute une section. Le huitième effet de la prière, c'est que la prière enfante l'invisible. La prière enfante l'invisible.
Je vais vous parler, si j'aurai le temps aujourd'hui ou le dimanche prochain, sur la prière d'enfantement. La prière enfante l'invisible. Selon le texte d'Ésaïe, chapitre 37, versets 3 à 4. Ésaïe 37, 3 à 4, vous mettez la virgule, le verset 36 à 38. Quand vous priez, des choses vont voir le jour. Je vais approfondir ça quand je veux parler de la prière d'enfantement. Je le dis, même au culte aujourd'hui, le seul don spirituel qu'on ne trouve que dans le Nouveau Testament, mais on ne trouve pas dans l'Ancien Testament, dans la liste de dons spirituels de 1 Corinthiens 12, c'est le don de parler en langue et de l'interprétation de langue. C'est le seul don. Le miracle, on a vu ça dans l'Ancien Testament. Prophétie, holopathie. Il y a même toute une section de livres appelés de livres prophétiques. Paroles de connaissance, il y a eu des paroles de connaissance dans l'Ancien Testament. Paroles de sagesse, il y en a eu dans l'Ancien Testament. Les dons de foi, de miracle, tout ça, ça s'est manifesté pleinement dans l'Ancien Testament. S'il n'y a pas sur la liste de 1 Corinthiens 12, un don qu'on ne voit pas dans l'Ancien Testament, mais qu'on ne trouve que dans le Nouveau Testament, c'est le don du parler en langue. Et en grande partie, c'est un don de prière. Mais l'autre aspect du parler en langue, c'est aussi un don de communication surnaturelle qui s'accompagne de l'interprétation. Pensez-y, bien-aimés, pourquoi Dieu peut ajouter dans la nouvelle alliance un don qu'on n'avait pas dans l'ancienne alliance, mais un don qui concerne la prière? C'est que Dieu tient à la prière. Dieu tient à la prière. Et j'aime le dire, autant tu dis que tu cherches Dieu, autant Dieu te cherche. Autant tu dis que tu vas chercher la face de Dieu, dans Cantique de Cantique, Dieu dit qu'il cherche aussi d'avoir ta face chaque matin. Donc quand tu ne pries pas, tu ne fais pas bien. Tu ne fais pas bien. Nous sommes dans une relation d'amour. Nous devons parler, nous devons communiquer, nous devons échanger. Neuvième effet de la prière fera de toi un conquérant. Oh, j'aime ça. Shabaya. La prière fera de toi un conquérant. Un homme, une femme qui a la vision, c'est quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un qui rêve à faire de grandes choses, de nouvelles choses avec le Seigneur. Dieu a dit à Josué, je crois, si je ne me trompe, c'est dans Josué chapitre 13. Dieu dit à Josué, verset 1er, tu es devenu vieux et le territoire qui te reste à conquérir est encore grand ou vaste. Pour nous, la sphère est connue, la délimitation est connue. Nous recevrons le Saint-Esprit lorsqu'il surviendra sur nous. Nous serons des témoins. Où? À Jérusalem, après en Judée, après en Samarie, ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà notre champ de mission. Il est tellement étendu, il est tellement vaste que tu ne peux pas dire que tu es déjà arrivé. Non, chaque jour nous avons encore des âmes à gagner. Chaque jour nous avons encore des églises à construire. Chaque jour nous avons encore des communautés à atteindre. Chaque jour nous avons encore des territoires à conquérir. Je rêve comment nous allons envahir Tchad. Je rêve comment nous allons envahir Cochelos. Je rêve comment est-ce que nous allons envahir Kindele. Comment nous allons descendre à Koweït là-bas, à Maloukou, la cité Maloukou. Comment nous allons nous répandre dans cette sphère, dans ces rayons. Parce que nous voulons que personne ne dise, je n'ai jamais entendu parler de Jésus. Que personne dans notre environnement ne dise, je n'ai jamais entendu parler de Jésus. Alors que toi et moi, nous sommes là. Bien-aimé, si tu as une vision, tu dois être un conquérant. Et pour conquérir, tu dois le faire en association avec Dieu. Par la prière. Dans la prière. Dieu te dira où aller. Et Dieu te dira où ne pas aller. Et c'est comme ça que nous allons évoluer, étape en étape, avec le Seigneur. Les gens qui prennent de nouveaux territoires sont des gens qui jeûnent et qui prient. Les gens qui prennent de nouveaux territoires sont des gens qui jeûnent et qui prient. Si tu ne n'aimes pas le jeûne, tu n'aimes pas la prière, oublie la conquête. Oublie l'expansion. Oublie l'épanouissement. Oublie ça. Oublie l'élargissement.
Si tu as besoin de l'élargissement, il faut prendre du temps dans le jeûne. Il faut prendre le temps dans la prière. Un homme de Dieu doit croire et pratiquer la prière de longue période. Oui, tu dois avoir au moins une fois l'an où tu organises un moment de prière de longue période. Tu dois avoir au moins, j'ai dit au moins une fois l'an où tu organises un moment de longue, alors de longue prière. 21 jours, 23, c'est pas parce que Daniel a jeûné 21 jours que toi tu ne peux pas jeûner 22. Tu peux jeûner 20 jours, tu peux jeûner 22 jours. Le nombre de jours dépendront de toi et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Un de mes amis qui est à Londres, prophète Patrick Djembe, quand il parlait dans les années 97, une fois je l'ai assisté en train de coacher, d'enseigner une soeur, et il était en train de lui parler sur de longues prières. Et quand il te donne cet enseignement, tu entres avec lui en jeûne prière de 12 jours, de 20 jours, de 40 jours. Il était élève au collège Boboto. Je le vois encore. Aujourd'hui, il est plus gros que moi. Je le vois encore en train de monter sur l'avenue Basuki, en train d'aller attraper son transport, là où se trouve aujourd'hui l'entrée de Palais de Marbre. À l'époque, c'était une avenue. Voilà le Palais de Marbre, là on a clôturé, on a tué Moussé. Là on a mis le lion. C'était une avenue. C'était une avenue. Et c'est là qu'il attrapait son transport. Et ce frère pouvait jeûner 40 jours en allant à l'école tous les jours. Élève à Boboto. De longues prières. De longues prières. Si tu es un ministre du Seigneur, tu dois croire et pratiquer le jeûne. Un jeûne conduit par le Saint-Esprit. Ne fais pas de jeûne toi-même. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Pose la question au Saint-Esprit. Il va te donner deux formats de jeûne. Le Saint-Esprit va te donner un format permanent. C'est-à-dire, il va te désigner un jour ou plus d'un jour de la semaine ou du mois où tu auras à jeûner régulièrement. Et il va aussi t'indiquer des jours particuliers où tu devras organiser des moments de jeûne et de prière. Jésus est allé en jeûne, conduit par qui? Par le Saint-Esprit. Luc chapitre 4 verset 1. Moïse est allé en jeûne de 4 jours, conduit par le Seigneur. Le Seigneur l'a invité sur la montagne. Et quand il est arrivé sur la montagne, il a carrément disparu dans la nuée. Il s'est vraiment confondu à la nuée. Il est resté là 40 jours et 40 nuits. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Je m'en vais vous donner quelques autres raisons pour lesquelles un homme de Dieu doit beaucoup prier. La prière est le fondement de tout ministère puissant. La prière, comme j'ai eu à le dire, est un ministère en soi. Tout celui qui a découvert, compris et vécu cette réalité aura un grand et fructueux ministère. Recevez alors rapidement ces quelques raisons pour lesquelles, en tant que ministre de Dieu, vous devez prier et beaucoup prier. La première chose, un ministre de Dieu doit prier, beaucoup prier, parce que la prière est un grand acte de foi. Écrit grand acte de foi. La prière est un grand acte de foi. Celui qui croit, il prie. Alléluia. Celui qui croit, il prie. Même pour le sujet pour lequel tu n'as pas encore l'exaucement, tu répètes la prière. Le Seigneur va découvrir la foi en cela. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Le Seigneur leur donna de nouveau une parole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et c'était quoi la parabole? Une femme qui venait réclamer justice auprès d'un juge méchant. La Bible dit, elle insistait tellement. Le juge a fini par se dire, bon, même si je ne crains pas Dieu, mais pour que cette femme me laisse tranquille, je veux résoudre son problème. Et Jésus dit, vous entendez ce que dit le juge? Si un homme aussi méchant a pu rendre justice favorablement à cette femme à cause de son insistance, à combien plus forte raison le Seigneur ne le fera pas? Il y a des choses que nous ne recevons pas parce que nous ne prions pas avec insistance. En tant qu'homme de Dieu, tu auras des sujets de prière qui vont faire 5 ans. En tant qu'homme de Dieu, tu auras certains sujets de prière qui vont faire 10 ans. Hier, quand j'ai écrit à Papa Dalo pour lui souhaiter bon anniversaire, je lui ai dit, Daddy, que le Seigneur vous exauce pour les prières que vous faites pour certaines personnes, ça fait plus de 5 ans. C'est le message que je lui ai envoyé sur son téléphone. C'est important
de savoir qu'une des difficultés du pasteur, c'est de voir un membre qui a un même problème, qui dure et qui perdure de mois et de mois, des années, même des situations qui dégénèrent, alors que l'on crie vers Dieu. On a même tendance à vouloir rapidement lire 2 Corinthiens 12 pour dire peut-être il est dans le cas de Paul où Dieu lui a dit que ma grâce s'est suffit et que cette situation n'aura jamais la solution. Non! Ça c'était Paul. Tant que Dieu ne t'a pas dit ça, continue à prier pour cette affaire. Alléluia. La prière est une expression de la foi. Une expression de la foi. La prière arrête, elle arrête, elle lie, elle paralyse les activités démoniaques contre ton ministère. Ce sont les démons qui causent les divisions dans le ministère. Une histoire fondée de toutes pièces. Il y a une maman qui ne vient plus à l'église. Je pose la question à son mari. Pourquoi ta femme ne vient plus? Écoutez la réponse. Une femme lui aurait dit à l'église que la réunion que nous aurons ne concerne que les femmes qui sont mariées légalement. Toi, comme tu n'es pas encore allé à la commune, on ne t'a pas encore béni, tu ne peux pas prendre part à cette réunion. J'ai posé la question à son mari. Pardon papa, je suis pasteur dans cette église, hein? Bientôt 10 ans, dans quelques 3 mois. 10 ans dans cette église. Dis-moi, c'est quelle réunion qui s'est passée dans cette église où la condition était que les femmes doivent être légalement mariées? Ça n'a jamais eu lieu. Où est-ce qu'elle a eu ça? Je ne sais pas. Quelle femme lui a dit ça? Elle ne veut pas dire. Mais ce que je sais, c'est que ça fait plus de 7 mois qu'elle ne met plus ses pieds à l'église. Le diable va vouloir semer la division. Tu sais que quand le pasteur disait ça, c'est toi qu'il visait. C'est toi qu'il chrétien. Toi, même ma femme ne sait pas ça. Toi, tu sais ça parce que tu es vice-dieu. Pas vice-dieu démoniaque, ouais. Poussé par le diable lui-même, tu viens semer la zizanie, la pagaille au milieu des enfants de Dieu. Les gens deviennent déloyaux. Pourquoi? Parce que le diable travaille dans leur cœur. Le démon les oppresse. Judas a vu le diable entrer en lui pour vendre son maître. Pourquoi? Parce que il avait de mauvaises dispositions dans son cœur. Homme de Dieu, tu dois prier. Tu dois prier pour tes membres. Tu dois prier pour qu'ils soient sous l'influence du Saint-Esprit. Tu dois prier pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes matures dans la foi, dans la marche chrétienne. Tu dois prier pour qu'ils puissent produire le fruit de la repentance. Tu dois prier pour ces aspects liant et chassant, paralysant, neutralisant les œuvres de l'ennemi. Le démon cause la rétrogradation, l'immoralité, la vie du péché. Ça ne peut venir que du diable. Comment est-ce qu'un chrétien peut affectionner les pornographies, peut affectionner la masturbation, peut affectionner le voyeurisme? Il chante à la chorale, il vient au protocole, mais il sort avec une copine, il sort, elle sort avec un copain. Comment ces choses peuvent être possibles dans l'église? Tu peux dire qu'ils ne sont pas bien convertis, ça peut être vrai. Tu peux dire qu'ils ne sont pas bien affermis, ça aussi ça peut être vrai. Mais la vérité c'est que, en tant que berger, tu dois te tenir à la brèche, priant Dieu afin que tes membres soient conservés. Les démons causent la vie du péché, la pauvreté, la dépression, l'oppression, le découragement. Il y a des gens qui ne viennent plus parce qu'ils ne voient pas pourquoi ils viendraient encore un dimanche de plus. Alors qu'autant de dimanches qu'ils sont venus, ils ne voient toujours pas la main de Dieu. Eh bien, je suis désolé, ce n'est pas le pasteur qui agit. Si tu as appelé ça la main de Dieu, alors ça doit vraiment être Dieu qui doit agir. Mais moi, en tant que pasteur, pour que toi, chrétien, mort, tu n'arrives pas à cet état de choses, je dois prier pour toi. Un pasteur doit avoir une série de prières qu'il fait chaque jour, en dehors de toute autre prière que le Saint-Esprit peut lui inspirer. Je peux vous donner un devoir. Je vous donne un devoir. Je le donne déjà. En tant que pasteur, quels sont les 5 sujets prioritaires pour lesquels tu dois régulièrement prier pour ton monde ?
Je reprends la question du devoir. En tant que berger, quels sont les 5 sujets de prière prioritaires pour lesquels tu dois prier pour tes membres à remettre le dimanche prochain? Et nous allons faire un travail avec le bureau. C'est que nous allons mettre ces choses ensemble et nous allons sortir une liste, une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de sujets de prière. Et vous allez voir que nous pouvons regrouper ça en 3, 4, 5 domaines seulement. Et vous allez comprendre que c'est important en tant que pasteur de ne pas manquer de cibler ces domaines quand vous priez pour vos membres. Alléluia. Alléluia. Que cela te plaise ou non, le diable existe. Et il a des démons qui sont assignés à mettre du désordre dans les ministères, dans l'église. Parce qu'il n'y a rien qui le dérange comme l'église. Alléluia. Et toi, tu dois te lever dans la prière. Avant qu'un agisse, toi, tu as agi déjà avant. Alléluia. Avant qu'un arrive à te neutraliser, toi, tu le neutralises déjà. Sinon, tu seras spectateur, impuissant, en face de ce que l'ennemi va faire. Donc, des choses qui te tombent sur la tête. Tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait? D'où viennent ces choses? Il y a un diable qui ne veut pas la paix dans ton ministère. Heureusement que nous avons la prière. Le feu va sortir. Le serpent, même s'il est sous le bois, il va fuir. Et il sera brûlé même, au nom de Jésus. Il y a des réseaux qui se créent, qu'on appelle network, les réseaux. Vous voyez, quand on parle de network, on montre l'image de toile d'araignée. Oui, c'est comme ça que la sorcellerie opère, comme un réseau. Ils sont là, en train de se passer le mot, de se passer des consignes. Qui doit attaquer ces derniers temps? Qui doit faire ceci? Qui doit agir? Moi, je n'ai pas le temps à perdre de savoir qui est maintenant en train de gérer les choses dans leur camp. Tout ce que moi j'ai à savoir, c'est d'être blindé, c'est d'être spirituellement blindé, pour que quiconque arrivera, qu'il rencontre le feu dévorant. Alléluia. Ouais. Même s'il y a un Judas parmi tes collaborateurs, il ne saura pas saboter ta mission. Le Judas de l'équipe de Jésus a contribué à l'accomplissement de la mission de Jésus. N'a pas saboté la mission, mais il a contribué à l'accomplissement. Que tous tes ennemis accomplissent. T'aide à accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Qu'ils contribuent à ça, mais qu'ils ne sont pas capables de saboter ce que Dieu t'a demandé de faire. Et pour cela, tu dois être un homme de prière. La prière est le premier commandement apostolique adressé à chaque ministre. Tu es un homme de Dieu. La première chose qu'on te demande, c'est de prier. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 3. On demande à prier, premièrement pour les autorités, à prier. Comme nous l'avons lu dans Actes 6, verset 4, le ministère de la prière. Les apôtres ont refusé lorsqu'ils se sont sentis envahis par les tâches administratives, dans la distribution de pain et autres. Ils pouvaient dire, Nicolas Nazar, attends, on semble de la tête, parce que je dois distribuer équitablement. Non, ils ont dit non, choisissez d'autres personnes. Ils vont faire ça. Nous allons nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. La prière est une grande responsabilité qu'il ne faut ni négliger, ni remplacer par quoi que ce soit d'autre. Le temps que tu passes au bureau en train de recevoir les gens ne remplace pas le moment de prière. Recevoir les gens, c'est un autre boulot. Écrire la prédication, c'est un autre boulot. S'occuper de la bonne marche des affaires administratives de l'église, c'est un autre boulot. La prière est un ministère à part entière. Pas d'amalgame. Pas de tivounou, pas de mélange. La prière, c'est la bouée de sauvetage de ton ministère. Quand tu seras dans des moments difficiles, dans des eaux agitées, tu auras besoin de la prière pour ne pas faire naufrage, pour ne pas connaître une noyade et faire sortir la tête de l'eau. Rapidement, pour terminer, la prière engendre
Waouh. 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 La prière engendre, maintient et attise la flamme de tout réveil. La prière engendre, maintient et attise la flamme de tout réveil. Je reprends. La prière engendre, elle maintient, elle attise la flamme de tout réveil. Depuis la chambre haute, Chablais, jusqu'au réveil de ce temps, les dénominateurs communs, l'un des dénominateurs communs, c'est la prière. Il y a aussi la crainte de Dieu, mais je parle de la prière. À la chambre haute, ils ont prié sans savoir quand est-ce que ce que le Seigneur leur a promis adviendrait. Gloire à Dieu, ça n'a pris que 10 jours et la chose est arrivée. Je prie Dieu que dans 10 jours tu sois visité. 10 jours que tu sois visité par un réveil puissant. Oh, je prie Dieu que ça te prenne dans ta chambre. Dans un moment de prière, que tu commences à recevoir des choses de la part de Dieu, que tu accèdes à des dimensions insoupçonnées. Alléluia. La prière, là vous entendez. Les gens disent que au Congo les gens prient trop et parfois pour rien. Moi je vous dis ce soir, c'est faux. Dieu m'a dit, il a entendu la prière des Congolais. Bientôt, il y a une vague du réveil qui va souffler dans le monde à partir du Congo et des Congolais. Oui, dans les forêts, là-bas à l'intendance, dans les forêts à Manyangengue, les gens viendront. Il n'y aura plus de fausses prophéties. Du genre, tu es grosse, si tu n'auras pas un bébé garçon, tu auras un bébé fille. On n'a pas besoin de ce bousoberie. Nous aurons besoin de précision, de chants qui parleront de la part du Seigneur comme étant en connexion directe avec le ciel. Oui, vous entendrez le bruit, même dans des églises dites traditionnelles, dans l'église catholique, à l'église protestante, dans des églises vraiment très fermées dans la tradition. Les gens vont parler en langue, les gens vont être baptisés. Oh, je me rappelle, je suis allé prêcher dans une église protestante dans le quartier. Oh, alléluia. Je vois encore ce jour, il a plu abondamment. Et dans la salle, nous étions moins de 50 personnes. C'était une grande activité. Mais la pluie était telle que les gens n'ont pas pu venir. J'ai dit, peu importe, je vais prêcher le même message que j'allais prêcher devant la foule. Et, mon Dieu, j'ai vu des choses. Je ne sais pas si Christy était là. J'ai vu des choses. Les gens tombaient, le chien se cassait. C'était la première fois qu'ils voient ces choses. Je m'en fous. La première fois, oui, et je prie que ce ne soit pas la dernière fois. Que cette flamme reste, demeure et continue à brûler encore. Vous entendrez les gens recevoir Christ, confesser le péché publiquement, parce qu'il y a un mouvement du réveil qui souffle. Quelqu'un vient prendre le micro, non pour dire seulement que Dieu m'a donné une promotion, mais pour dire que comme vous me voyez, j'étais dans la masturbation, j'étais dans la fornication, mais depuis que j'ai écouté la parole, le Seigneur m'a libéré de ces choses. Je ne sens plus le goût de ces choses. Maintenant je veux m'en donner au Seigneur et toute ma vie m'engager à ce bois. Oui, un réveil authentique arrive, un réveil sans précédent, et des hommes et des femmes qui ont la culture de chez nous, le réveil le trouvera là et le propulsera comme des flambeaux de réveil. Je vois comme des intercelles se répandent sur le globe de la terre, et partout les hommes et les femmes se lèvent avec un message puissant d'un Jésus authentique, réel, un Jésus qui change et qui transforme, même dans les pays européens où les gens sont devenus trop sophistiqués à ne plus trop donner du crédit à ce qui concerne la Bible. Ils seront dans la difficulté. Vous savez pourquoi? Ils sont là, cloîtrés dans leur maison. Le Covid-19 est en train de faire de ravages. Ils sont là depuis longtemps. Ils ne savent pas trouver la solution contre le diabète. Ils ne savent pas trouver la solution contre le cancer. Chaque jour en Europe, ce sont des centaines de milliers de gens qui meurent de cancers, de tumeurs. Mais moi, je vois un peuple qui se lève avec des dons authentiques et de ministères de guérison. Parce que c'était dans la présence de Dieu, dans la chambre haute. Ils vont présenter un Jésus
qui est capable de faire lever de paralytique, de le faire bondir d'un saut et de le faire marcher. Tu ne crois pas à l'évangile? Dis-moi comment cela est arrivé. Tu ne crois pas à l'évangile? Explique-moi comment ta femme est guérie du cancer par une simple prière au nom de Jésus. Tu ne crois pas à l'évangile? Alors explique-moi comment le diabète est parti. Tu ne crois pas à l'évangile? S'il te plaît, explique-moi comment ce miracle a eu lieu. Le temps est venu et le temps n'est plus loin. Et là, je parle comme un prophète, comme quelqu'un qui était avec Dieu, comme quelqu'un qui se tient dans l'office du prophète. Le temps vient et le temps est déjà là, où des hommes et des femmes parleront de la part de Dieu avec des signes miraculeux. Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de voir? Tu prieras quelque part et la journée sera plus longue que la nuit. On attendra le coucher du soleil. Ça n'arrivera pas jusqu'au jour tardif. Ce n'est pas les solstices. Non, pas ces choses. C'est qu'il y a un Dieu dans le ciel qui a promis, après qu'il aura répandu l'esprit sur toute chair, il dit: vos fils et vos filles prophétiseront, sur mes serviteurs et servantes, je donnerai la double portion. Il ajoute: il y aura des signes dans le ciel. Ça, vous n'avez pas encore vu ça. Il y aura des signes dans le ciel. Il y aura des signes dans le ciel. Il y aura des signes dans le ciel. Tiens, le sport de prêcher. Osborne prêchait en Inde, et pendant qu'il prêchait, il y avait un docteur incrédule dans leur science de l'hindouisme et les autres choses. Lui, il ne croyait pas. Pendant que Osborne parlait de Jésus, le gars a levé les yeux. Ce monsieur-là a levé les yeux. Il a vu Jésus, le visage de Jésus, apparaître dans les nuées. Avant que l'homme de Dieu ne finisse de prêcher, il a déjà reçu Christ et il a rendu témoignage. Le temps vient et le temps, il est là. Le temps, il est là où nous allons prier et des choses vont arriver. Je crois qu'on va s'arrêter là et on va prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que ta vie de prière porte de fruits. 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 Kaleba brazane le motaya. Kuta la makaleba boka manala bote. Lode babrosi talabade. Gola bababa chandere babo. Oh, alléluia. Prie le Seigneur pour ta vie de prière. Prie le Seigneur pour ton hôtel de prière. Il y a un temps pour parler de Jésus. Il y a un temps pour démontrer Jésus. Il y a un temps pour parler de Jésus. Il y a un temps pour démontrer Jésus. Il y a un temps pour parler de Jésus. Il y a un temps pour démontrer Jésus. Je prie que le Seigneur nous apparaisse ce soir. Je prie que le Seigneur veuille nous apparaître visiblement ce soir. Je prie le Seigneur que ta vie de prière accède à un autre niveau. Que brava zone là. Yarabo si talaba gobrea. Sarababo. Kofanda pembeni na yo. Yamonde makasi na na. Yamonde makasi na na. Nalini na lumba solo moko na yo. Oh Jésus. Le bras. Le bras. Govanda pembe na yo. Yamone makasi na na. Na yo kaka mungu na yo. Yamone semo na na.
Élève ta voix, prie en esprit. Prie en langue. Les bras à terre. Il y a des tonnerres. 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 Chalaba. Le bras au. Tu mérites qu'on dépende de toi. Oui, Seigneur. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Notre capacité vient de toi. Notre capacité vient de toi. Notre capacité vient de toi. Notre capacité vient de lui. Que le Seigneur ajoute une dose d'onction dans ta vie. Que le Seigneur te rende plus capable. Les domaines qui t'ont défié. Les dimensions qui t'ont défié. Ça va tomber devant toi. Je le déclare au nom de Jésus. Toriande. Ça tombe au nom de Jésus. 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 Plus d'onction. Plus d'autorité. Plus d'autorité. Plus d'autorité. Plus d'autorité. Plus d'autorité. Yasso. Oh oui, Seigneur. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Yes. Holy,
La brosita. Mon sang tu. Moi n'en pas Yes. Le péché qui t'environnait facilement, tu reçois la capacité de le dominer et de le vaincre. Ce péché qui t'est dominé facilement, tu reçois la capacité de le dominer et de le vaincre. Écoute, nous allons. Chacun va prier. C'est drôle ce que je vais donner comme sujet de prière. Chacun va prier pour la vie de prière de son pasteur. Tu as compris l'importance de la prière dans la vie d'un ministre. Imagine combien ton pasteur te sera source de bénédiction. Si jamais il développait, il cultivait une vie de prière dans le cadre de son ministère. Tu n'as pas envié, tu peux apprécier les autres pasteurs, mais tu n'auras envié aucun pasteur parce que, oh, ton pasteur, c'est ton oint. Ton pasteur, c'est ton oint. Comme Samuel a reçu les choses de la part de Dieu, avant même sa rencontre avec Saoul, ton pasteur recevra de Dieu des choses à te communiquer, avant même que vous ne vous rencontriez. Et à chaque fois que tu seras devant ton père, devant ton pasteur, il sera une source intarissable de bénédiction, d'inspiration pour ton ministère à toi. Élève ta voix, prie. Tu peux même prier aussi pour tout autre serviteur de Dieu que le Saint-Esprit va t'inspirer. Bien-aimé, s'il vous plaît, faisons cela. À plus de 70 ans, quand il est à genoux pour prier, il peut prendre 5 heures à genoux et il prie en intelligence. Il cite des versets bibliques pendant 5 heures, 3 heures à genoux et il se relève fort, il marche. Prions pour des pères. Prions. Thank you.
Tu nous as donné, c'est l'esprit de prière. L'esprit de prière. L'esprit que tu nous as donné, c'est l'esprit de prière. Want to pray in spirit. Want to pray through the Holy Spirit. Want to be a winner. The spiritual warfare. The spiritual battle. Want to be more than conqueror. Shalimba. Silence. Je vais donner la possibilité à trois personnes seulement de libérer seulement le message qui concerne tout le monde. Et le message privé, le libérer après la séance. On n'a plus assez de temps. On n'a plus assez de temps. Si tu penses que tu as un message qui concerne tout le monde, tu peux parler. Voilà, pendant que nous étions en train de prier, j'étais en train de voir